Hey, salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA en ligne pour vous donner une petite information qui est pas sortie par Rockstar, qui n'était pas encore dévoilée. Bien sûr, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'est une information qu'il y a une personne qui a trouvé ça sur Twitter. Donc je l'ai partagé sur ma page Facebook, comme vous pouvez peut-être voir. Je l'ai partagé sur Twitter et sur mon groupe Facebook et sur Instagram. En gros, c'est une personne qui a retrouvé des informations sur les DLC de Noël. Donc, on va avoir un DLC de Noël la semaine prochaine avec de la neige, comme d'habitude, parce que Rockstar, ils vont pas changer la tradition de Noël. Voilà, c'est Noël, donc c'est normal qu'on va avoir de la neige, des sapins de Noël, j'espère. Rappelez-vous, l'année dernière, on a eu des sapins de Noël dans les appartements et un grand au centre-ville de Los Santos, qui était super beau et tout. Cette année, on sait pas plus pour l'instant. On sait très bien qu'on va avoir de la neige, peut-être des sympas encore. On sait pas s'ils vont remettre encore des sympas de Noël ou pas. Et l'année dernière, rappelez-vous, on a eu des masques de Noël, des tenues de Père Noël. Et des armes, on a eu des armes et des munitions, un peu des feux d'artifice et tout. Donc cette année, soi-disant, il y a une formation. La personne qui a trouvé ça sur Twitter, il a dit que Rockstar vont faire apparaître pour cette année des cadeaux. Donc on va avoir des cadeaux mystères, ça va être très intéressant. Donc c'est marqué, on va voir tout simplement des cadeaux par la par comment s'appelle, par Rockstar Game. Donc comme des pyjamas, on va avoir des pyjamas comme cadeau Noël, on va avoir des masques de licorne et aussi des une toute comment s'appelle, une toute armée de munitions qu'on va avoir. Ça va être vraiment pas mal. De flop de munitions, c'est marqué. Donc voilà, je dis tout. Voilà, c'est des, voilà, on est tout. Voilà, on va pas mal de munitions. Ça va être vraiment assez cool de la part de Rockstar si on a des cadeaux de munitions. Et on va avoir des bombes collantes, des feux d'artifice. Et après, voilà, on sait pas plus. Est-ce que ça va être vraiment vrai? Il n'y a pas plus d'informations. On sait très bien qu'on va avoir des pyjamas, des masques de licorne et des flops de munitions. Et après, on va voir par la suite si on va pas avoir d'autres cadeaux. Je sais pas s'il y aura peut-être une voiture. Je crois que l'année dernière, on a eu une voiture pour Noël. Cette année, est-ce qu'on va avoir un truc pour Noël? Moi, donnez votre avis. Moi, je donnerai mon avis, ce que j'en pense pour Noël. On en parlait comme ça avec beaucoup de personnes, comme Damien et tout. On disait, ça sera dommage que Noël, ils font pas une chose. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Damien. Qu'ils mettent pas des PNJ en forme de habillé en Père Noël. Ça peut être vraiment pas mal. Ou habillé en lutin ou des trucs comme ça va vraiment pas mal qu'il fasse une mise à jour comme ça. Ça va vraiment cool. Ou un vrai Père Noël qui se balade dans Los Santos, mais sans. Voilà, faut pas le tuer non plus, mais genre qu'on peut venir le voir. Ou si on fait des missions, on peut avoir des cadeaux par lui. Un truc comme ça va vraiment pas mal d'avoir ce truc de Noël. Après, voilà, on peut rêver. Après, pourquoi pas pour une prochaine fois, pourquoi pas par la suite. Mais. Donnez tout simplement votre avis sur Noël, qu'est-ce que vous voulez voir comme mise à jour pour Noël. Il y a plein d'idées, ouais, je sais pas, mettre un traîneau comme décoration, mettre un peu plus de décoration sur les appartements, un endroit où on peut décorer aussi les appartements, mais pas très cher non plus, pas des décorations à 1000 euros, mais genre à partir de 50 à 300 $, et genre on peut décorer un peu la maison ou l'appartement, mais pas tout en même temps, bien sûr. Si on a 5 appartements, on peut pas décorer les 5, mais seul un seul appartement, et on peut le décorer avec des guirlandes, des sapins nous-mêmes, voilà, avec une table à décorer, une petite table à décorer avec des bougies, pourquoi pas. Je pose, voilà, je dis ça, mais après on sait pas, on sait jamais, peut-être Rockstar va écouter, ou on sait jamais, ils ont peut-être un projet, je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Donc, tout simplement avoir plus de neige, mais que la neige dure un peu plus longtemps, qu'elle dure jusqu'au mois de janvier, à peu près, jusqu'au 5, après on va dire, jusqu'à là, la semaine prochaine, au 5, ça va être pas mal. Avoir un Père Noël, ouais, ou un Père Noël qui se balade sur Los Santos, avoir des décorations de lumière aussi. Par exemple, quand on va au centre-ville avoir des décorations de Noël, bon, je dis pas des enfants parce qu'on peut pas avoir trop d'enfants sur GTA parce qu'on sait très bien qu'il y a des personnes qui vont s'amuser, les tuer ou des trucs comme ça, mais avoir des petites choses sympas pour Noël, voilà, je sais pas, moi je donne mon avis, après je sais pas ce que vous en pensez, après à vous de me dire dans les commentaires, moi j'espère que cette vidéo va vous plaire, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner si c'est pas déjà fait et de laisser un petit commentaire. Moi je vous dis à très vite et ciao, bye bye, salut tout le monde.